Bonjour à tous, public de Zen Zone Télé, c'est Marie, énergéticienne, et on se retrouve pour une nouvelle chronique. Comme on est en août, comme tu peux le voir derrière moi, c'est assez ensoleillé, j'ai décidé de faire une chronique en lien avec les vacances et quels sont les remèdes en fait naturels qui peuvent t'accompagner durant tes escapades afin que tout se passe vraiment au mieux et que tu puisses te ressourcer absolument pleinement. Alors dans un premier temps, j'ai pensé aux personnes qui avaient peut-être peur du départ en vacances ou du retour à cause des transports, notamment pour celles qui ont peur d'être enfermées dans un moyen de transport, que ce soit l'avion, le train, peu importe, pour celles qui ont peur de souffrir du jet lag ou d'un décalage en lien avec le lieu. Eh bien sachez qu'il y a un complexe qui est complètement naturel, qui est issu de remèdes de fleurs de Bac. Je ne vais pas vous refaire un énorme topo sur les fleurs de Bac, mais les fleurs de Bac, ce sont des élixirs floraux, comme le nom l'indique, du docteur Edouard Bach, qui, avant de créer ces remèdes un peu plus intuitifs, plus associés à la vibration de la personne, à l'émotionnel de la personne, a d'abord été chirurgien et a beaucoup évolué dans le domaine hospitalier. Voilà, c'est important de le savoir, je pense. Donc les fleurs de Bach, vous pouvez les retrouver sous différentes formes. Ça se présente la plupart du temps sous un petit flacon comme un petit peu des huiles essentielles avec une pipette qui est un peu plus grande. On peut les prendre donc en gouttes. Parfois on les retrouve sous forme de spray, un pchit sur la langue, ou alors en gomme à mâcher, pas pour toutes les gammes, mais on va en retrouver quand même pas mal, et également sous forme de granules. Donc ça peut être intéressant puisque certaines de ces formes sont avec alcool, à cause du principe de macération, de conservation du principe actif de la fleur, et pour d'autres ce sera sans alcool. Voilà. Pour la petite histoire. Donc, en quoi les fleurs de Bac peuvent t'aider à ne pas souffrir de ce jet lag, à ne pas souffrir de cette angoisse d'être enfermé dans un moyen de transport? Eh bien, tu vas retrouver le complexe 16 qui s'appelle Voyage serein dans la marque biofloral des fleurs de Bac. Et ce complexe est composé, là, je prends mes petites antisèches, je l'avoue sur le côté, des fleurs Mimulus, Rock Rose, Aspen, Clématis et Impatience. Donc ces 5 fleurs, elles sont super intéressantes parce qu'il y en a beaucoup d'entre elles, notamment Mimulus, Rock Rose, Aspen, qui vont vraiment agir sur l'aspect peur, angoisse, clairement, voire même peur extrême, panique, terreur. Donc si tu as vraiment cette peur-là, c'est le complexe qui est vraiment hyper adapté pour toi. Également, on va retrouver chez Clématis et Impatience des choses qui vont plus te tranquilliser l'esprit, qui vont te permettre d'être plus calme et, comme l'indique le nom Impatience, d'avoir au contraire de la patience pendant ton transport ou par rapport à ce décalage horaire que tu pourrais ressentir, etc. Ensuite, pour les personnes qui pourraient plutôt avoir besoin de clarté mentale, de s'épanouir, de se régénérer autant physiquement que moralement et qui attendent peut-être impatiemment d'ailleurs leurs vacances pour ça, sachez qu'il y a également un complexe qui peut vous aider, c'est le complexe numéro 10 si je ne me trompe pas, oui, complexe numéro 10 qui s'appelle ressourcement, toujours dans la gamme bioflorale des fleurs de Bac, qui va être composé de la fleur olive qui est une de mes grandes chouchoutes pour la fatigue, Elm, Centaury, Oak et Walnut. Tout ça, je vous donne les noms anglais, c'est vrai parce que j'ai l'habitude de travailler avec les noms anglais, pardon. Olive, en tout cas, à noter vraiment quand vous avez besoin de recharger vos batteries physiques, mentales, morales. Elle va tout faire et elle est vraiment, vraiment top. Y compris, j'aime bien l'utiliser quand on a été un petit peu malade, un petit peu enrhumé et on sent qu'on a du mal à remonter. Quelques gouttes pendant quelques jours, ça peut vraiment aider l'organisme à récupérer un petit peu plus vite. Même si parfois, ce sera insuffisant. La plupart du temps, ça fera l'affaire. Alors, je te conseille particulièrement ce complexe-là, notamment si tu as besoin de t'apaiser, mais aussi par rapport aux phases de changement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont des gros carrefours, voilà, des gros carrefours dans leur vie, et c'est un petit peu compliqué. La fleur Walnut, qui est à l'intérieur de ce complexe, elle est vraiment axée là-dessus. C'est pourquoi ce remède-là de 5 fleurs de Bac, appelé ressourcement, peut aider à ce moment-là. Pour d'autres personnes, il va y avoir une petite subtilité. Elles vont peut-être plutôt rechercher un lâcher-prise, c'est-à-dire à plus réouvrir son cœur, à plus se refaire confiance, à retrouver une paix intérieure. Elles ne sont pas forcément fatiguées, c'est la différence. Pour ces personnes-là, je conseillerais plutôt le complexe qui suit, le complexe numéro 11, qui s'appelle Harmonie,
et qui va être composé notamment de holly, cerato, chestnut bud, larch et pine. Donc pine, on va beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est culpabilité. Donc quand on s'autoflagelle un petit peu trop, qu'on est trop dur avec soi. Larch, idéal quand on a un complexe d'infériorité, quand on ne se fait pas confiance, notamment dans ses capacités. Quand on est très résigné à l'avance, c'est-à-dire on n'ose même pas tenter quelque chose que ça y est, on se dit bah non, je ne vais pas y arriver, etc. Serrato, intéressante aussi pour prendre conscience de ses propres intuitions, de cesser un peu de douter, de toujours se reposer sur l'extérieur. Holly, très intéressante pour les personnes qui ont tendance à la nervosité, à avoir éclaté hein, au niveau de la colère, ou même pourquoi pas à la refouler, même si là je partirai un peu plus sur de l'homéopathie. Voilà, donc ces trois complexes peuvent vous aider, donc encore une fois, ils peuvent se prendre sous différentes formes, ils peuvent s'adapter à toute personne, c'est l'avantage des fleurs de Bac, et le gros plus, c'est que les effets vont être quasi immédiats, donc vraiment je vous les recommande très très chaudement, c'est vraiment des complexes avec lesquels j'adore travailler. Maintenant, pour les personnes qui auraient aussi le mal plutôt de l'avion, donc mal des transports, notamment je pense au mal de l'air hein, dans les avions, il y a aussi l'homéopathie Coca en 5CH, alors oui, Coca comme le Coca que vous buvez, qui peut être intéressante. Alors, je conseillerais d'en prendre un petit peu à l'avance parce que, à contrario, l'homéopathie ne va pas forcément agir aussi immédiatement, donc n'hésitez pas à commencer un petit peu en amont la prise. Généralement, on conseille 3 granules matin et soir ou 2 granules matin, midi, soir. Quand c'est en pic comme ça par rapport à l'avion, vous pouvez un petit peu augmenter la dose, évidemment. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour le départ en vacances. Maintenant, j'avais envie de vous parler d'autre chose. C'est parfois des petits désagréments comme les insectes, hein, les piqûres, les morsures, qu'elles soient avec venin ou pas. On risque d'y avoir affaire cet été. Donc, je vais vous donner des petites astuces là-dessus. Alors parlons des piqûres et morsures avec venin dans un premier temps. Donc ça peut être méduse, vipère, guêpe, etc. Alors là, obligé de le préparer à l'avance idéalement parce que sur le moment ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc on va travailler avec les huiles essentielles, en tout cas c'est ce que je vous propose au sein de cette vidéo. Donc vous pouvez, j'ai ma petite recette sur le côté, donc encore une fois je vais regarder mes antisèches. Vous pouvez vous prendre un flacon, alors. Il y en a qui les achètent sur internet, en herboristerie ou en pharmacie, à vous de voir. Donc, prenez en tout cas votre flacon vide et vous allez avoir besoin de 3 huiles essentielles, notamment la lavande aspic, et j'insiste bien sur aspic, l'immortelle et l'eucalyptus citronné. On va commencer par mélanger et prendre 30 gouttes de lavande aspic qu'on va mettre dans votre flacon vide. Ensuite, ajoutez 10 gouttes d'immortelle. Puis ensuite 10 gouttes d'eucalyptus citronné. Et voilà, c'est tout simple, vous avez votre mélange. Donc si jamais vous vous faites piquer ou mordre, ce que je ne vous souhaite évidemment pas du tout, appliquez 2 à 3 gouttes de cette synergie sur la zone affectée. Et évidemment, il va falloir répéter l'application toutes les 5 minutes, puis pendant une demi-heure, puis continuer 3-4 fois par jour. Après, évidemment, on va espacer la position de la synergie. Alors évidemment, on n'est pas des apprentis sorciers, des apprentis magiciens. Si on se fait piquer et mordre par une vipère, on va éviter de ne pas appeler son médecin et au contraire, on va le contacter. Donc s'il vous plaît, hein, voilà, je vous donne ce petit remède-là, qui d'ailleurs n'est pas de moi, mais de Dominique Baudou, l'aromathérapeute et pharmacien. Cependant, bien sûr, prenez toutes vos précautions et n'oubliez pas la médecine classique et les secours classiques, évidemment. Également, ce que vous pouvez avoir dans votre sac, ce sont des homéopathies. Alors après, à vous de voir, hein, il y a certains qui vont être un peu plus réceptifs sur ça que d'autres. En tout cas, vous pouvez retrouver l'homéopathie Aspice, qui va être intéressante à prendre si vous avez une piqûre d'abeille. L'homéopathie Vespa, quand ce sera une piqûre de guêpe. Et si vous allez vraiment dans d'autres pays que la France, l'homéopathie Scorpio, pour tout ce qui est piqûre de scorpion. Voilà. Alors, également, ce que je vais vous proposer au sein de cette chronique, c'est des petits remèdes pour les piqûres de moustiques. Donc, le plus connu, c'est la citronnelle pour faire de la prévention. Donc, j'ai envie de vous dire, entourez-vous de citronnelle, que ce soit en plante vraiment dans votre jardin, que ce soit en pulvérisation avec des huiles essentielles, que ce soit avec des bougies, etc. Voyez ce qui marche le mieux pour vous. Bien sûr, malheureusement, des fois, ça ne suffira pas.
et on va se faire piquer quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que ça vous démange trop? Bah, tout simplement, reprendre votre huile essentielle de lavande aspic et appliquer une goutte sur le bouton en question. La lavande aspic va être plus efficace que les autres types de lavande, donc c'est pour ça que je conseille vraiment celle-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui la conseille, hein, mais Dominique Baudou, encore une fois. Elle est antalgique et anti-inflammatoire. Elle a vraiment des principes actifs, notamment du camphre. Elle est riche en camphre et va vous aider à vous soulager de la démangeaison. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt! Oui.